Donc, on va d'abord écouter, saluer cette journée de manifestation qui a lieu dans 21 pays d'Europe, à peu près, enfin peut-être un peu moins, mais. Et également dans 31 villes en France. Donc, c'est la première fois qu'on a une manifestation européenne dans toute l'Europe et ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu des manifestations dans autant de villes en France. Ça veut dire que malheureusement, la situation se dégrade, il y a de plus en plus d'expulsions, de sans-abri, de mal logés, d'habitants dans des bidonvilles, de plus en plus de locataires qui tremblent à la fin du mois, qui se demandent comment ils vont payer leur loyer, des accédants à la propriété, pareil aussi, qui ne savent pas comment ils vont payer leur retraite. Voilà, donc là je laisse la parole à Élie qui va vous lire l'appel. Et voilà, c'était juste pour lui. Élie de Solidaire. Merci. Allez, oh, plus fort. Jamais les loyers et le logement n'ont été aussi chers en France et dans toute l'Europe. La spéculation bat son plein et malgré la crise, les milieux immobiliers s'enrichissent avec l'appui des gouvernements. En 2020 en France, le prix des logements a encore augmenté plus vite que l'inflation. Les profits issus du logement cher ont à peine diminué, malgré la crise sanitaire et sociale. La crise du logement s'aggrave encore. Toujours plus de sans-abri, toujours plus de mal logés, toujours plus de jeunes et d'étudiantes en galère, d'expulsion. Non, ce n'est pas inéluctable. À Berlin, les locataires se mobilisent et gagnent. La preuve, plusieurs dizaines de milliers de locataires à Berlin ont manifesté et ont obtenu que les loyers privés ne dépassent pas les 6 à 12 euros le mètre carré et que des amendes jusqu'à 500 000 euros soient délivrées sans délai par la commune contre les bailleurs fraudeurs. En France, bien qu'insuffisantes, les lois qui nous protègent sont bafouées impunément par une part des bailleurs privés et des agences. Encadrement des loyers, gel du loyer, la relocation, normes de décence, surface réelle, limitation Airbnb & Co. Insatiable, ils veulent accélérer les expulsions, supprimer la trêve hivernale ou criminaliser les sans-logis qui occupent des locaux vides pour se protéger. Menace sur le logement social et les APL. Après la baisse de 5 euros des APL fin 2017 et leur gel, le gouvernement ampute encore les APL, fragilisant les locataires modestes et les bailleurs HLM afin de les jeter dans les bras des groupes financiers internationaux. Il se sert dans les budgets de construction des HLM, aide à la pierre, action logement, et construit donc moins en moins de logements sociaux. Expulsion record, gentrification des centres-villes et des quartiers populaires. À mesure que les politiques publiques et d'urbanisme ont grimpé les prix des loyers et de l'immobilier, les habitants et les habitantes modestes sont expulsés des métropoles. Les expulsions forcées sont en hausse constante et pourraient doubler en 2021 par rapport à 2018, excusez-moi. Déjà, année record. Si le gouvernement reste inactif,
Les classes populaires, les femmes, les minorités, les réfugiés, les sans-papiers sont les plus exposés à ces politiques brutales et doivent, pour sortir de la rue, accepter des sous-logements à statut précaire. 3 millions de logements sont vacants en France. De nombreux autres sont détournés par Airbnb & Co. Les réquisitions militantes sont réprimées. La loi de réquisition est inappliquée. Et les lois sur les sans, pour les sans-abri, les mal logés, les victimes de marchands de sommeil ne sont pas respectées. Non aux politiques publiques du logement polluante. Logement neuf à l'obsolescence programmée, rempli de malfaçons. Démolition massive de HLM avec des déchets non recyclables. Passoires thermiques où se logent les plus fragiles. Grands projets inutiles et polluants. Mesures qui favorisent toujours plus les plus riches. C'est un droit. Un toit, c'est un droit. Un toit, c'est un droit. Un toit, c'est un droit. Bon, donc, on a lu l'appel. Là, c'est l'appel. Et donc, c'est Véronique Martin de la CGT qui va vous lire les revendications. Amen. CGT qui parle maintenant. Oui, donc, toutes et tous mobilisés aujourd'hui pour un logement abordable, stable, décent, durable, écologique, pour toutes et tous sans discrimination, pour l'arrêt des expulsions, des coupures d'énergie, des remises à la rue et la trêve hivernale pour toutes et tous, pour l'arrêt des répressions contre les sans-abri, les personnes vivant dans des habitats alternatifs, les occupants et occupantes sans titre, les plus précaires, avec ou sans papier, les exilés et dans les quartiers populaires, pour l'application réelle de la loi de réquisition, du droit au logement opposable, du droit à un hébergement décent jusqu'au relogement et de toutes les lois votées pour soi-disant nous protéger, pour la baisse des loyers tout de suite, pour la taxation des plus-values de la spéculation, la limitation des plateformes Airbnb et compagnie, pour les sanctions contre les bailleurs fraudeurs, pour la réalisation annuelle d'au moins 200 000 HLM, de logements étudiants, de 30% de HLM dans chaque commune en zone tendue, pour l'augmentation des aides à